Bonjour, bonjour. Bonjour, Garance Pascaline, Cindy, Mireille, Opur. Bonjour. Je demande l'assistance du Saint-Esprit pour vous donner le message que j'ai à vous donner de façon correcte. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous, vous doutez encore de vous. Vous blaguez encore avec votre appel. Vous blaguez avec le potentiel que vous avez en vous. Vous blaguez avec votre mission. Et le plus grand problème que vous avez, c'est un problème de confiance. J'ai rencontré une dame hier. J'attendais le taxi qui devait m'amener au bureau. Et là, elle gare, elle me regarde, elle me dit, ouais, c'est la reine Jocelyne, je te suis depuis septembre de l'année passée. Comme je te vois, c'est un signe. Il faut que tu me consultes. Il faut que tu me. Je lui dis, ma chérie, ça ne marche pas comme ça. Tu te laves avec le sel. C'est ça que tu vas me demander, c'est me laver avec le sel. Mais en fait, c'est fatigant. Il faut mettre le sel dans l'eau. Il faut lire le psaume. Il faut se laver avec. C'est trop fatigant. Je ris. Et c'est là que je me rends compte que beaucoup d'entre vous, vous m'écoutez, mais vous êtes encore dans le virtuel. Je ne pourrai jamais rencontrer 100% d'entre vous. Je ne pourrai jamais voir physiquement tout le monde sur cette page. N'attendez pas de me rencontrer au hasard dans la rue un jour. Et déjà qu'on s'est vu hier, là, je suis comme elle est partie, là, elle ne va pas se laver avec le sel. Vous blaguez avec votre vie. Vous blaguez avec votre vie. Ma chérie, on parle de ta vie. Vous me suivez depuis un an. Je ne veux pas les followers. Ne me suis plus. Quand tu regardes mes vidéos, Facebook ne me donne pas l'argent. Facebook ne me dit pas que, ok, comme tu as regardé ta vidéo, prends par mois 50 centimes par personne qui a regardé ta vidéo. Je ne reçois rien. Même le like que tu mets sur la vidéo, parfois tu dis que liker la vidéo, certains likes ne likent même pas. Partager la vidéo, vous ne partagez même pas. Vous êtes encore, c'est comme si vous étiez encore dans une prison mentale. Et tu ne comprends pas que ta vie est en train de passer devant toi. Quand les gens viennent faire des commentaires, c'est là que tu penses que je n'invente pas les témoignages. Je n'ai pas moi le temps de ça. Et si je cherchais les clients, c'est quand ils viennent ici là, je suis habillé comme quelqu'un qui va venir vous demander que de, faites-moi les dons. C'est qu'il me met bien, il met le make-up, met la perruque, la longue perruque comme ça là. Et on peut que tout ça sont les futilités. Si je ne suis pas focus sur ce que je veux faire. Parfois, je te lève, tu passes 2 heures de temps pour chercher. Oh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? Je vais me maquiller comment? Je vais. Jusqu'à, tu prends. Il faut acheter du sel. Achète le sel rouge. Je ne veux même plus dire de prendre le sel de la maison parce que vous êtes dans une paresse bizarre. Quand il dit le sel de la maison, là, même ton sel qui est chez toi, tu n'as jamais utilisé. Laissons. Cherche le sel béni de couleur. Rouge, bleu, peu importe la couleur que tu trouves. Rouge d'abord, parce que ça permet la purification. Achète le sel. Tu ne veux pas acheter, tu laisses. Quitte ma page. Vous énervez. Tu achètes le sel. Le matin et le soir, tu prends 3 pincées de ce sel ou bien une cuillère à café. Il y a même des gens qui mettent une cuillère à soupe. Il y a des gens qui mettent bien le sel dans le bain.
tu mets ça dans 3 litres d'eau ou 1 litre et demi d'eau. Tu peux mettre dans un tangui. Tu prends le sel, tu mets le tangui. Tu prends le psaume 35, tu lis devant cette eau-là, sur l'eau. Après, tu dis ce que tu désires de bien, pas de mauvais. Pas de votre truc, vous dites que wow, je maudis le gars là. Oh, il faut que le gars là meure. Il faut que. Pardon. Le but du sel, c'est de restaurer ton énergie. Enlever les mauvaises ondes sur toi. Parfois, tu restes comme ça, tu as encore des attaches d'âme avec quelqu'un. Tout ça, tu comme ça, tu penses à la personne, ça t'attache la tête. Il y a des mauvaises énergies. Parfois, tu sors, tu vis tout, tu pavanes dans la journée. Et là, tu rentres à la maison, tu as apporté des énergies. Parce que quand tu marches, l'esprit qui est en toi, parfois, va provoquer les démons des gens. Et je me suis engueulé copieusement avec une dame, correctement. Et quand elle m'engueule, je me laisse même plus faire. On s'est bien chamaillé, bien même là. Moi, avant, je fuyais les lettres. Je disais que ouais. Hey, ça ne va pas, je te donne ta dose. Je suis resté après une heure, deux heures de temps plus tard. Je me pense toujours à l'esprit qu'il y avait dans la femme là. Parce qu'au Cameroun, tu es client. Tu consommes quelque chose. Mais on va te jouer le chantage psychologique. Il dit que je ne peux pas sortir mon argent pour venir chez toi consommer quelque chose. Tu viens, tu veux me faire me sentir mal. C'est quand tu commences à voyager que tu comprends que le client a quand même des droits ailleurs. Mof. Oh, on s'est chamaillé, ça avait le goût. Hein. Mof, m'idée. J'étais même fatigué parce que j'avais beaucoup voyagé. Donc, toute ma fatigue, là, j'ai mis ça sur elle. Voilà. Parfois, tu as des gens où tu vas aller. Il y a leur propre démon qui vaut que ça va provoquer. Et quand tu te laisses provoquer par leur démon, ça revient aussi ta part de démon. Après, tu restes, tu es troublé. Alors que tu étais censé te concentrer pour recevoir une idée. Donc quand tu rentres, tu prends le sel, tu te laves avec. Je vous dis de vous concentrer beaucoup sur les bras quand vous vous lavez avec le sel. Parce que ça, les bras là portent beaucoup d'énergie. Les bras portent beaucoup d'énergie. Parfois tu rentres, tu sens comment tes bras sont lourds. Les épaules comme ça, là, ici, là, c'est lourd. Rien de Pélagie, tu riais. Non, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que je ne badine plus. Ma bouche, c'est la sort maintenant, bien. Donc, quand tu te laves, après, tu ne te sèches pas. Tu laisses l'eau salée, là, se sèche sur toi. Ne simplifie pas le sel. Ne simplifie pas le sel. Il y en a, vous m'écoutez depuis, vous faites seulement le sel. Tu n'as jamais pris un kit. On dit qu'il y a aucune fondation pour briser les malédictions sur ta famille. Les malédictions que tu as prises de ta famille. Tu ne prends pas. J'ai une dame qui est venue l'autre jour pour se la faire laver. Et trois. Vendredi à toi là. Quand la femme me raconte les choses qu'elle a traversées, je lui demande, tu te laves avec le sel. À sa réponse, tu sentais qu'elle ne se lavait pas vraiment tous les jours. Vanessa, ça avait le goût. Écoutez, Vanessa, j'avais une dimension où je me laisse. Je dis que ça avait le goût. Je te dis ta part. Et quand ça va, je dis que si c'est la police que tu vas appeler, appelle la police, je vais dormir en cellule. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Je pars, je dors en cellule. Si vous plongez, plongez. Parce qu'au Cameroun, on aime trop intimider les gens que je connais, tel commissaire. Je connais. Même le commissaire là va venir lui-même. Quand tu vas lui parler, le monsieur a dit que hey, la fille, c'est là. Mamie, pardon. Voilà. Donc, comme ça, c'est clair. Payez vos taxes, payez vos dîmes. Quand quelqu'un vient, tu sors tous tes papiers, tu dis que je paye tous mes papiers dans ce pays, je ne fuis rien. Donc, ne venez pas me mettre des mots de tête. Je suis un citoyen qui est réglo. Maintenant, vous ne me faites pas chier. Je ne me cache pas, je ne fuis pas. Parce que parfois, on vous fait ça. Et au Cameroun, c'est grave. Le Cameroun, tu es camerounaise au Cameroun. On te fait le hop-aï. Tu pars ailleurs, tu vas vraiment traiter les gens là, traiter les gens de leur pays. Tu arrives à l'aéroport, on met la ligne des gens internationaux, on met pour les résidents. Tu es en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens passent seulement, les Gabonais passent. Tu arrives au Cameroun, on prend les étrangers d'abord plus que les Camerounais. Il m'a arrêté un peu ça. Le kit fondation te permet d'enlever les malédictions générationnelles. Le kit de déblocage, si tu as une situation particulière.
Parfois, tu restes, tu sens que je dois prendre un kit pour travailler. Parce que le kit, tu l'associes avec 7 jours de jeûne. Tout à part ce que tu as acheté le sel de 50, tu te laves avec le sel de 50 depuis 4 mois. Tu crois que le sel que tu te laves avec là, le sel de 50 que tu utilises chaque jour, ça va changer quoi? Je dis à la femme là que parfois on reste comme ça, on prend 200 000, on te bloque quelque part. Tu es là, chaud comme ça là. Même sortir 20 000, ça te dépasse. Mais tu mérites ton blocage. Quand je vois la femme là, je vois tous les blocages qu'elle me dit. J'ai accouché difficilement. Oh, j'ai ceci. Mon mari reste, il m'insulte, il est à l'étranger. Souvent, il m'insulte, il me bloque, il me ceci. Ma chérie, tu as pris un kit. Ah, je voulais prendre, mais vous n'avez pas besoin de me voir. Vous n'avez pas besoin de me voir physiquement pour prendre un kit. Arrêtez vos trucs de paresse là. Arrêtez vos bêtises. Christiane Ngan. Le numéro orange, mon lycée, c'est le 693 50 22 66. Et je suis sûr que tu n'as pas de quoi noter. Après, tu vas me demander de répéter. 693 50 22 66. À défaut, tu passes sur la page. Les numéros sont partout sur la page. Et si quelqu'un d'autre que moi vous contacte, je vous ai déjà dit, j'ai des gens avec qui j'ai travaillé qui après ont voulu prendre mes clients. Si vous voulez partir avec eux, ça ne me dérange pas. Mais je vous préviens encore, je n'enverrai pas quelqu'un derrière vous pour vous dire que je suis là pour te suivre. Tu vas maintenant faire comment? Oui, je suis le roi tel, je veux te suivre. Tu fais comment? Ce ne sera pas moi. Je n'ai pas envoyé la personne. Et si même quelqu'un vous appelle, dit que connecte-moi avec la reine Jocelyne, la personne va m'ajouter dans l'appel. Je vais parler pour confirmer que c'est moi qui l'ai envoyé. Voilà. Mais si vous avez l'esprit, vos esprits de charognards là, parce que je vous connais, je sais que sur ma page, c'est les charognards. Et les mauvais curins, j'ai les décepticons. J'ai toutes les qualités ici là. Avec vos cœurs de charognards, si vous pensez que vous allez travailler avec l'un d'entre eux, faites-le sans souci. Hein. Peut-être que c'est pas moi que vous avez trouvé votre personne. Mais ne me mettez pas dedans. Je vous dis bien, je vous encourage à voir l'autonomie spirituelle. Le jour où tu me contactes, c'est vraiment que, ok, j'ai fait tel rêve, c'est comme ça, comme ça. Je dois avancer en faisant quoi? Il y a telle situation qui est en train de se passer. C'est vraiment, depuis 3-4 jours, une semaine, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui s'accumulent. Qu'est-ce que je dois faire? Que toi-même, déjà, tu as appris un qui tu as fait. Tu as fait ceci. Tu as allé faire une libation. Tu as allé faire ceci. L'heure, c'est que vous voyez. Moi, quand je vous fais les vidéos ici, là, j'ai beaucoup d'attaques. Vous ne croyez pas que c'est tout le monde qui est content de ce que je fais? Et parfois, c'est des gens que je ne pouvais même pas imaginer. Les Decepticons sont des gens bien masqués. Elle arrive devant toi comme ça, là. Quand elle arrive devant toi comme ça, là. La personne te prend pour une idiote. Moi, on me prend pour une idiote. Je ressemble trop à une fille qui est idiote. Quand tu me vois, ça, là, ok. Je suis toujours sans confiance. Regardez, tu es sans confiance maintenant, là. Voilà, regardez. Tu me vois en haut, tu es sans con. C'est-à-dire que... La fille, c'est là. Elle est sans confiance. Elle ne fait pas les soins de visage sur elle régulièrement. Mais attends un peu. Regarde, elle a le panier sur elle. Je suis porté mon cabas. Je suis sorti avec ses marchés le matin. Donc je passe pour quelqu'un qui est très bête. Pour quelqu'un qui est facilement. On peut facilement manquer de respect. Mais ça ne me dérange pas. Parce que je n'ai pas besoin de vous impressionner. Donc, je le rappelle encore, je n'enverrai pas quelqu'un vous contacter. J'ai eu des personnes que j'ai pris qui sont arrivées et ont commencé à prendre des clients par derrière pour leur vendre des produits. Comment ça dit qu'il veut faire les prix, il veut vous faire le suivi. C'est pas que j'ai le suivi, c'est. Après, on commence à dire que paye ta dîme chez moi. Faites attention. Je dis encore, si c'est là-bas que tu sens ton truc, que tu vas aller payer ta dîme là-bas, va payer. Mais. Ne venez pas mettre ça sur ma tête. Voilà. C'est dit comme ça que c'est clair pour chacun. Maintenant, levez-vous pour faire votre travail spirituel parce que vous doutez trop de vous. Félicité, écris à l'un des numéros, on va donner le prix du kit fondation. Voilà, alors un truc encore sur moi. Moi, il ne poursuit pas moi les clients. Parce que je vous connais. Quand on vous poursuit,
écoutez encore bien. Même si vous avez un scammer qui se fait passer pour moi, il y a ma photo sur son profil. Vous pouvez savoir quand la personne est le scammer. Il va t'écrire à 6 heures. Ma chérie, tu as déjà réfléchi. Tu prends le kit quand? Bonsoir, ma chérie. Comment tu vas? Coucou, ma chérie. Comment va la famille? Oui, j'ai vu quelque chose sur toi. Oui, je voulais te suivre. Je ne vais jamais vous dire ça. Écoutez bien, oh. En tout cas, c'est comme ça que tu connais que tu es APC. Quand les gens utilisent ta photo ou ton nom pour faire des choses aux gens. Oui. La logique de quelqu'un qui veut sortir d'un trou ou d'une situation. Tu te lèves. Voilà les numéros sur la page. Tu regardes un numéro, tu prends le numéro, tu recopies sur ton téléphone, tu enregistres dans WhatsApp, tu écris bonjour. J'ai pris le numéro aussi sur la page de Tegui Digi Academy. Est-ce que je peux avoir tel service? Je ne pense pas que je vais mettre le numéro d'un scammer en haut de ma vidéo. Donc je m'attends à un peu de sens de votre part. Donc du coup, quand vous vous faites scammer, mangez votre scam là seul. Prenez sur vous. Parce que tu vas voir ma vidéo, je vais dire fais ceci, tu ne vas pas faire. Fais ça, tu ne vas pas faire. Après, tu vas rester, quelqu'un va t'écrire. Oui, je t'avais consulté en novembre. Il y a une période où j'étais malade, ce qui fait que ce n'était pas moi qui consultais les gens. Je vous avais dit ça. Donc, quelqu'un qui t'a consulté va t'appeler à nouveau. Oui, comment tu vas? Il faut que tu prennes encore notre truc. Il faut que tu fasses encore ceci. C'est sur vous. Moi, je n'ai pas de soucis. Hein. I don't get problem. Voilà. À un moment dans la vie, il faut que tu commences à devenir vigilant, qu'on ne te dupe pas n'importe comment. Que tu saches que si je peux me lever pour faire ma chose. Parce que vous là, les paresseux spirituels là, c'est encore vous qui allez venir vous plaindre après. J'ai fait ça, ça n'a pas marché. J'ai fait ça, ça n'a pas marché. Je fais les vidéos chaque jour. Je dis, assois-toi, tu regardes la vidéo, écoute. Écoute, parce que ça va t'aider mentalement. Après, tu pars, tu fais ton travail. Non. Et voilà. Je te suis depuis 6 mois, mais tu sais, j'hésitais encore. Hein. Vous devez être décisive dans votre vie. Il y en a parmi vous, vous êtes encore dans des foyers que vous savez que là où je suis là, ça ne va pas. L'homme s'il me suce mon énergie. L'homme s'il me finit. Dans le rêve, même on est venu te montrer. Tu es toujours dedans. Un jour, tu penses que c'est bon, c'est lui. Un jour, tu dis, ah, peut-être il est là pour m'exploiter. Un jour encore, tu dis, non, peut-être c'est lui. Décide-toi. Décide-toi. Quand tu vas te décider, tu vas voir le vrai visage de la personne. Parce qu'il y a des personnes qui sont là pour vous utiliser. Ils utilisent votre énergie. Ils utilisent votre énergie. Il y a des personnes qui sont avec vous pour le confort. Est-ce que vous savez que certains d'entre vous, vous ne manquez pas? Ton frigo est toujours plein. Tu es toujours... Il y a tous les sens dans ta voiture. Tu ne manques pas les choses de base. Ce qui fait que quand quelqu'un va te voir, ça peut être une amie. Hein? Chaque jour, elle est chez toi. Hey Marco, ma Juju, ma... Je ne sais pas les marques, elle va encore te dire. Ma soeur, ma fille. Il y a une certaine jeune fille là, vous êtes arrivée en Europe, vous êtes tombée sur les tatas. Ah, je l'ai pris comme une grande soeur, ma chérie. Si Dieu voulait te donner la grande soeur, ta mère aura accouché une fille avant toi. Elle n'a pas accouché, non. Arrêtez vos bêtises qu'on vous baigne. Tu sais, je suis une tata pour toi. Je suis en Suisse depuis 20 ans. Je vais te guider. Te voilà. La tata là devient ta part de. Ça devient ton némésis. Une me dit l'autre jour, une maman là, la mère elle a passé 8000 euros. Hein. 8000 euros à l'enfant. C'est vrai que l'enfant a 35 ans. Toi, la maman, tu as presque 50 ans. Peut-être 55 parce qu'elle sortait avec le fils de la femme là. Tu prends 8000 euros à une jeune femme. 8000 euros. Beaucoup de ces personnes-là vous jalousent amèrement.
amèrement. Non, tu sais, tu es comme une petite soeur pour moi. Hein. Vraiment. Ah, elle sera chez toi tous les jours. Elle va t'appeler. Dis-moi ce qui se passe dans ta vie. Fais très attention. Fais attention. Elle arrivait, vois-tu un nouveau gars. Et oui, oui. C'est le nouveau gars là que tu vas voir. Et souvent, tu sens les énergies bizarres quand elle est avec ton gars là. Après, donc, ton gars là vient souvent dire que ta soeur, c'est là. Parce que... tu sais qu'il y a souvent des choses qu'on te dit. Ta tête ne veut même pas partir là-bas. Parce que je te dis. Ta mère ne peut pas. Moi, j'ai appris à voir les gens comme ils sont. Je ne veux plus penser que... Je ne veux plus penser le meilleur de quelqu'un. Non, je veux te voir comme tu es. Tu me montres que tu peux te lever, tu pisses au lit. Je t'appelle pisseur au lit. Je ne veux pas dire que non, elle a 30 ans. Elle est ceci. Voilà. Non, non, non. Tu pisses au lit, je t'appelle pisseur au lit. Simple. Tu te lèves, tu pars, il y a les enfants à la maison. Tu pars au supermarché, tu achètes seulement un truc pour toi, tu rentres à la maison. Je te demande que, mais voilà, là, les courses de la semaine à faire, non. Comment tu passes à acheter des biscuits, tu rentres à la maison. Tu es quel genre de père de famille? Tu es irresponsable. Arrêtez de donner des noms, arrêtez d'embellir les gens. Les gens sont ce qu'ils sont. Il y en a parmi vous dans votre couple, c'est vous qui êtes conscient. Parce que l'autre personne n'est absolument, il n'a pas conscience. La rentrée arrive peut-être, il faut payer les fournitures scolaires. C'est toi qui es en train de te soucier que, ouais, on va faire payer la pension des enfants. Ou il faut quand même aller venir ramasser les cahiers. Il faut. Non, l'autre personne n'est pas, c'est pas son souci. Tu vas venir donner quelle excuse à la personne. C'est vous qui permettez aussi que souvent on vous prenne pour la. On fait aussi la bouille dans votre cerveau. Tu fais l'enfant avec quelqu'un. C'est toi qui courrais la personne maintenant seulement. Oh, viens voir l'enfant. Oh, viens, appelle-moi l'enfant, non. Oh, ouais. Ouais. Quand l'enfant naît, son père ou sa mère meurt. L'enfant là meurt. N'est-ce pas, il vit? Il vit, non. Voilà. Arrêtez. Il y a les orphelins ici dehors qui vont bien. Il va venir montrer l'inconsistance à l'enfant. En fait, ton enfant va savoir que quand quelqu'un dit que je vais venir, ça veut dire qu'en fait, je ne viendrai pas. L'enfant l'a tellement attendu, tellement de dimanche, tellement de samedi. Il n'est jamais venu. Quand tu achètes même un cadeau, tu fais comme si c'est... Tu donnes l'argent qu'en venant, achète quelque chose pour ton enfant. Et qui est? Hop! Vous êtes très indécisif. Vous voulez tout donner le bénéfice du doute. Dans la vie, c'est mieux pour toi de savoir que je suis seul. Au lieu de croire que tu es accompagné et que les gens qui t'accompagnent ne seront jamais présents quand tu as besoin d'eux. Ou quand ils ont dit qu'ils seront là. Même pas que tu as besoin. Quelqu'un te dit peut-être que je vais ouvrir ton magasin à 7h. Il se pointe à 11h30. Non, il t'a montré. Voilà l'évidence de qui il est. Tu as embauché une ménagère l'autre jour. Je viens à 8h. Premier jour. 9h, je suis sorti de la maison. Je demande, elle est où depuis? J'appelle même, elle ne décroche pas. Finalement, je sors, je n'ai pas fait ce que j'avais fait. Je reviens à 12h. Oui, je devais aller faire l'enfant, faire comme ça là. Oh là 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 là. Je dis, peut-être c'était une erreur. Deuxième jour, 9h30. Troisième jour, 9h30, j'ai dit, d'accord. Après 5 jours, j'ai dit, ma chérie, ça ne marche pas. This is not working. Pour tes choses, tu pars. Mais dans ma maison, reste sale. Développez l'habitude d'être ferme dans vos décisions. Développez l'habitude de prendre des décisions prompt. Prompt. Quand tu as un truc à décider, tu ne don't linger, ne traîne pas sur quelque chose. Généralement, c'est entre 4h30 et 6h que ton esprit est clair.
Ne laisse pas qu'à 9h, la personne vienne encore te faire changer d'avis. Moi, quand je voulais. J'ai les break-up que j'ai fait dans ma vie. Que pour te quitter, je te quittais, moi, dans le message à 5h. Oui, bonjour. Ouais, j'ai avisé à se réfléchir. C'est fini entre nous. Oui, ne m'écris plus, ne me cherche plus, ne m'appelle plus. Bye. Il finit et te bloque. Et quand il te bloque, il commence ma thérapie de guérison. L'antidote, c'est d'être occupé. C'est parce que quand tu dis que tu as fini avec la personne, tu ne peux pas te mettre devant Netflix. Tu ne peux pas te mettre dans un endroit où tu es seul. Tu ne fais rien. Tu n'as pas de projet. Tu n'as pas de programme. Tu n'as rien. Tu dois écouter les vidéos de motivation. Ça te remet les idées en place. Parce qu'avant que tu te décides de quitter cette personne, on t'a fait le lavage de cerveau. On t'a fait croire que voilà, tu as tout accompli, tu as accompli ça, tu as ça, tu as ça. Mais tu n'es pas une bonne femme tant que tu n'es pas mariée. Tant que tes enfants n'ont pas un père, tu n'es pas une bonne femme. Te voilà. I need to find a daddy for my children. I need to find a daddy for my children. Te voilà en route, tu cherches le père pour tes enfants. Je ne serai pas folle. Et il y a aussi ce truc que je pensais à ça hier. Le Seigneur m'a montré que il y a certains d'entre vous, quand vous étiez avec le père de vos enfants, ils étaient très laxistes. Très. Tu vois, j'ai l'impression qu'il n'a pas eu fermeté dans la décision. Agent ne signifie pas rigueur, loyauté, vision, impact. Ça fait 10 ans que vous êtes séparés, non? N'est-ce pas? Il a l'argent aujourd'hui plus que toi, non? Apparemment, non. Ça ne veut pas dire qu'il a les valeurs de base clés qui sont bonnes pour passer à votre enfant. Le Seigneur vous montre en fait que parfois certaines femmes se dévalorisent parce qu'elles se disent que mes enfants vont grandir dans la pauvreté. Oh, si je quitte le père, je vais faire comment pour m'en sortir? Oh, voilà, s'ils restent avec le père va, ils auront une grande école. Oh, mais tu oublies qu'il y a certaines valeurs. Moi, depuis que mon enfant est petit, j'ai décidé qu'il y a des valeurs de base que je vais mettre dans cet enfant-là. Il y a des valeurs clés que je vais... I'm gonna impute. Like, I'm gonna... Aïe, aïe, aïe. Il y a certaines personnes qui sont un peu volages. Tu vois pas quelqu'un qui... Il est tout le temps en train de flirter peut-être avec les femmes. C'est le père de ton fils. Même si ton fils pas vivre avec lui. Tu vas voir que dans sa nouvelle maison avec laquelle il avait sa femme là, il a au moins 3 femmes dehors. Quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui a un caractère qui est léger. Et il a toujours joué sur ton mental, que tu es trop dur, tu es trop strict. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis séparée de toi. Tu étais trop dur, tu voulais trop montrer que tu es Dieu, ce que tu fais est juste. Ma chérie, il a joué ton mental. Et maintenant, tu doutes de toi en te disant, le voilà, il est allé, il a trompé, il a fait ceci. Et même souvent, il est encore revenu pour te draguer. Tu sais qu'il est marié, il revient encore avec toi. Après, quand tu regardes ça, tu dis, ah, voilà, il s'en est sorti. 10 ans plus tard, on s'était quitté parce qu'il me trompait. Parce qu'il me manquait de respect. Même s'il trompe celle qui est là maintenant. Parfois, je te dis même que j'aurais dû rester avec lui. Tu es folle. Tu es folle dans ta tête. Arrête tes bêtises là. J'aurais dû rester avec lui. Peut-être que tout l'argent qu'il a revu là, ce serait moi qui serais rentré. Tu ne sais pas ce que sa femme endure. Tu ne sais pas ce que sa femme endure. Le caractère. Tu peux prendre 25 ans pour construire le caractère dans ton enfant.
En 3 ans, l'enfant-là devient milliardaire. Et je dis toujours, l'héritage qu'on donne à l'enfant, ce n'est pas l'argent, forcément. Certes, on va donner à nos enfants l'argent comme héritage, mais avant l'argent, on va mettre le caractère dans l'enfant. Sinon, ma chérie, tu seras dans ta tombe là quand tu seras un peu vieille là. Tu vas voir ce que ton enfant fait avec l'argent que tu lui as laissé. Tu vas te retourner même 5 fois par jour. Tellement que ça sera. Tu n'arriveras pas à croire tes yeux. Et n'oubliez pas que le caractère, on part de génération en génération. Donc, comme je viens, je rectifie certaines choses que mes parents n'ont pas mis en moi. Certains parmi vous, c'est maintenant que c'est à travers les vidéos que je fais que vous comprenez, vous découvrez votre spiritualité, vous découvrez. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que tu es en train d'arranger d'abord sur ta vie. Après ça, maintenant, tu vas. Les malédictions que tu coupes sur ta vie là, tu es en train de couper aussi ça sur la vie de tes enfants. Et comme c'est à 40 ans, 45 ans que tu commences à faire ce travail, si ça devait prendre 30 ans. Avant que l'arbre que tu as poussé commence à donner les feuilles et les fruits. Ça veut dire que c'est quand ton enfant aura 40 ans, toi tu auras 70 ans, que tu vas rester, tu vas voir la fondation, tu vas voir les buildings solides que ton enfant aura érigé. Parfois vous allez vous mener des combats, vous ne savez pas que le combat que vous êtes en train de mener là, c'est un long combat. Et je dis toujours, on ne se bat pas seulement pour nous, on se bat aussi pour nos générations à venir. Et je sais qu'elle parle comme ça, c'est le charabia pour certains de vos pères, papa, pour baby daddy là, les papas de vos enfants. C'est le charabia. Tu l'appelles chaque fois que asseyons-nous, on parle du futur de cet enfant. When you cough, you have to go and spit, huh? Stop doing that crazy shit. Vous devez appeler chaque fois, tu dois essayer de convaincre. Lève-toi, on part, viens, on peut ouvrir un compte, une assurance vie pour l'enfant. Allons mettre un compte d'épargne, allons investir, achetons des parts dans une société pour l'enfant. C'est toi qui es la seule à penser au bien-être des enfants. Hein. Je vais vous donner un truc. Ça, c'est quand le Seigneur m'a donné quand il m'a donné ça, ça c'est ce qui m'a permis pendant des années de traverser avec la tête haute. Quand Dieu te met quelque chose dans ton esprit, ça peut être une semence pour un baobab demain. Ne vois pas le baobab apparent des autres personnes. Non. Certaines parmi vous, vous avez réussi. Aucune personne ne vous a donné 5 francs. Et vous êtes en train de vous comparer et de vous diminuer par rapport à des personnes à qui leur père leur a donné l'argent, leur tante leur a donné l'argent. Je ne sais pas. Ils sont escroqués une femme quelque part. Ils ont pris son argent. Ils sont venus commencer la base du business que tu vois là. Vous ne pouvez pas vous comparer, ma chérie. Libère ton esprit. Libère ton esprit. Vous ne jouez pas sur la même cour. L'idée que Dieu est en train de te donner, là, la semence qu'il te donne, Dieu n'a pas besoin que vous soyez deux. Vous mettez ça dans la terre et arrosez. Pas tu fais.
quand vous mettez dans un quartier, vous voyez les immeubles. Ce n'est pas tous les immeubles qui ont la bonne fondation. Ce n'est pas tous les immeubles. Il y a les immeubles qu'on a construits avec l'argent qu'on a volé aux gens. Il y a les immeubles qu'on a construits avec le bon argent. Il y a les immeubles. Ah, vous allez parler de quoi? Quand tu vas venir, tu vas te comparer à quelqu'un. Non. Tu ne peux pas. Je crois que quelqu'un qui a demandé que nous qui sommes déjà dans le mariage, je ne sais pas trop comment. Comment on doit, nous sommes déjà dans gérer ce mariage. Quand vous posez la question, posez bien non. Ouais. Tout ce que on vous a fait le lavage du cerveau, on vous a dit que si vous n'êtes pas marié, votre vie ne peut pas réussir. Si tu n'es pas marié, c'est que tu n'es pas quelqu'un. Et te voilà. Tu meurs à petit feu. On a transformé le mariage aujourd'hui comme un. Comme un. Je ne sais pas comment on peut dire. Comme le prix. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Genre, waouh, elle est mariée, mieux d'elle. Tout ça parce que les gens qui sont dans le mariage ne sont pas vrais. Ils ne disent pas honnêtement ce qu'ils endurent. Le mariage, c'est quelque chose que en entrant dedans d'abord, vous devez vous assurer que vous avez la même vision. Vous devez vous assurer. Le mariage n'a rien à voir avec l'amour. Hein. Oh. Oh, oh. Parfois, tu peux aimer quelqu'un, vous ne vous entendez pas. Hein. Je t'aime. Je t'aime. Mais, comment on dit en anglais, I don't get along with you. Ok. On ne peut pas rester dans la même maison un mois. Parce que toi, tu vas, t'as pas assez comme ça là, tu veux mentir aux gens. J'ai été une fois avec quelqu'un qui mentait. Christiane, j'ai dit que tu vas me demander le numéro orange, mon numéro. C'est en haut du direct. Va prendre en haut du direct. Ne me dérange pas. Tu me demandes un numéro, c'est 20 minutes plus tard que tu as le bic. Tu me connais même. Vous pensez qu'il coûte derrière vous pour prendre votre argent. Oui, ya. Prends bien tes informations. Attends qu'on te dise, on te dit bien comment je suis. Le gars là mentait. Ah, ah. Je lui dis que papa, comme tu me vois là, I don't need to lie. Je ne mens pas, je ne manipule pas les gens. Comme je suis devant toi, si je rencontre ta mère, si je rencontre ton père, tes frères, s'ils ne m'aiment pas, hein, ce n'est pas mon problème. Je vais pas aller me transformer, venir. Oh bonjour. Non. L'enfant lui demande que. Qu'est-ce qu'on peut même dire? Il parle même à l'enfant. Hein. Il y avait quoi un jour là par rapport à l'enfant? J'ai vu comment il a menti devant l'enfant. Je lui dis que tu manques à l'enfant. Quand tu manques déjà à mon enfant, ça veut dire que tu n'as pas de valeurs ni des principes que tu peux enseigner à cet enfant. Jamais. On va quelque part. Vous n'avez pas pu venir à une réunion, je ne sais pas trop quoi. Et je sais ce qu'il faisait le jour là. Il dit que quand on m'a demandé, tu as dit que j'étais où? J'ai dit que, mais j'ai dit que tu, le jour là, tu étais à la maison. Il dit non, il fallait, pourquoi il fallait dire que j'étais occupé? J'ai dit non. Je ne manque pas. I don't lie. I don't lie. Ce sont les petits signes comme ça, là, les petits trucs. Et je dis toujours que si tu mens, si tu peux mentir à ta mère devant moi, Galès, ça veut dire que tu vas finir avec moi. Si tu peux mentir à l'enfant, l'enfant que quand tu vas lui dire la vérité, l'enfant ne va pas te taper, il ne va pas te manger, il ne va rien faire. Tu viens mentir à l'enfant. Gars, ça c'est mauvais signe. Non, 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 c'est pas bon. Papa dit non, c'est pas un bien, je blaguais. Oh, voilà le mot alors. Je blaguais. Ok, si tu blaguais, va dire à la personne à qui tu viens de mentir là que tu blaguais. Ne manque pas à quelqu'un, il te croit, il part. Après, il reste, je te confronte par rapport au mensonge, tu me dis que tu blaguais. Et il s'est avéré qu'après, j'ai découvert de toute la personne que c'était. C'était
C'était évident. It was just a fact, you know. C'était juste... C'était évident. C'est pour ça que dans mes relations maintenant, je crois en ce que les gens me montrent. Et je lis les signes. Parce qu'il y a les signes avant-coureurs. Il y a les choses que quand tu vois dans quelqu'un. C'est pour ça que quand tu vois une personne, tu n'as pas besoin de faire deux jours avec la personne pour comprendre, pour lire la personne. Souvent, quelqu'un va venir vers toi. Bonjour. Il baisse la tête. Parfois, il fait un peu comme s'il est fâché. Parce qu'il ne veut pas que tu lui poses les questions. Parfois, il fait comme s'il est trop sérieux. Il se prend les grands airs. Tu dis, mais tu veux quoi? Tu sens même que son accent, sa façon de parler, c'est comme s'il n'a pas envie d'ouvrir la bouche. Et les Anglais me plaisent beaucoup. Hein. Les Anglais sont straightforward, direct, droit. L'anglais parle beaucoup fort. Moi, j'ai pris ça chez les Anglais. L'anglais parle fort. C'est le français qui cache. Le français est cachotier. Il avait quelque part, il demande que bonjour, tu t'appelles comment? Mais je m'appelle Josué. Oui, dis-moi ton nom, non, je t'appelle comment? Oui, je m'appelle Josué. Ah, c'est ton nom, non? Bonjour, je m'appelle Jocelyne. Je suis ici là pour faire telle personne. Je veux voir peut-être telle personne en tel service. Est-ce que vous pouvez m'aider? Dès que tu demandes, si tu as un décepticon devant toi à la réception, la personne fait comme si elle n'a pas suivi. Voilà encore comment tu détectes un autre décepticon. Quelqu'un à qui tu parles, il fait comme s'il n'a pas suivi ce que tu as dit. Alors que tu sais que tu as bien articulé ce que tu as dit. C'est pour ça qu'il faut adresser ça dans vos enfants. Parce que souvent, quand nos enfants partent à l'école, ou bien on les laisse avec les ménagères, les gardiens, ils prennent les attitudes là chez eux. Tu parles à l'enfant, l'enfant fait des cachotteries. Tu parles, tu que pourquoi tu n'as pas lavé tes habits? Je vais te fouetter, parce, pas parce que tu n'as pas lavé tes habits, mais parce que tu es en train de vouloir faire comme ça là. Ce sont les esprits qui font qu'après cette personne va penser qu'elle mérite. La personne, c'est les esprits des voleurs, voilà. En résumé, c'est ça. Et que la personne va te regarder, va croire que ce que tu as, il mérite ça, que c'est pour lui. C'est généralement les gens comme ça que tu vas découvrir qu'ils sont en train de faire des détournements de fonds, ou bien ils partent te voler dans ta chambre quand tu n'es pas là. Ou bien, même les ménagers, non, quand tu es déjà les ménagers là, tu vas découvrir peut-être qu'elle volait la nourriture au frigo. Elle rentre avec des trucs chez elle. Parce qu'il y a des comportements, des petites attitudes que vous laissez passer. Tu l'envoies acheter des choses au marché, elle vient, elle augmente la facture. Ils sont des cachotteries, je n'aime pas, j'ai horreur des cachotteries. C'est un esprit que je n'aime pas sentir l'esprit là à côté de moi. Et je dis toujours, hein, un de perdu, 10 de retrouvé. Si j'ai fait ça pour un client vient et commence à faire les nig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 n
ça qui va construire ton caractère. Le caractère, je vous ai déjà enseigné sur le caractère ici la semaine passée. Je suis passé. C'est le fait qu'on sache que la femme, c'est là, elle ne blague pas. Un jour, j'ai envoyé certains de mes employés au marché pour acheter un produit. Ils arrivent. Vous savez qu'il y a souvent certains chrétiens nigériens là. Très strict, très ferme. Ils sont tombés donc sur un monsieur comme ça. C'était le seul au marché qui vendait l'original du produit. Et on avait dit, on a dit qu'il y a deux endroits. Il y a celui-là. Et puis un autre endroit où on vend pas vraiment l'original. Ils arrivent chez le monsieur qui vend l'original. Le monsieur leur dit, je vends mes produits en 1 litre. Si vous ne voulez pas vous laisser. Il vient dire, oh, est-ce qu'on peut tester? Est-ce qu'on peut. Le monsieur dit non, partez. Quand ils sont rentrés, ils m'ont dit ça là. J'étais content. Je sais pas pourquoi. J'ai voulu faire affaire avec l'homme là. Oh là là. J'ai voulu faire affaire avec le monsieur. Oui. Pas le genre que le client vient, il commence à dire, ouais, est-ce qu'on peut avoir un demi-litre? Après, quand tu sais, il dit, est-ce qu'on peut faire, tu peux diminuer 500 sur ça? Il te fait perdre ton énergie pendant 2 heures de temps. Après, il dit que bon, je vais revenir, je venais seulement checker le prix. Super marché, mon frère. Tu vas acheter, tu viens, tu ne veux pas acheter pas. Le jour où tu es prêt, tu entres, tu achètes. Tu entres, tu prends, tu payes. Voilà. Parce que quand tu veux réellement un produit, tu connais le prix de la chose, tu connais là où c'est. Même dans le magasin, tu connais dans quel rayon ça se trouve. Sur le site internet, tu connais où c'est. Oui. Justine, bonjour. Dis-moi, le fait de dire la vérité, tu vas vite mourir, que c'est elle qui est ton Dieu. Vous-même, là, vous acceptez aussi trop les choses sur les gens. Elle est ton Dieu. Moi, je ne veux pas baisser mes standards. Ça existe très peu dans nos mondes de nos jours, malheureusement. Mais il y a encore des gens intègres ici dehors. Il y a des gens stricts ici dehors. Que tu rencontres la personne, il a ses principes. Tu ne veux pas, tu le laisses, tu pars. Il n'est pas dans vos cacheteries que on va parler des trucs sexuels. Oh ouais, je savais que les Camerounais aiment trop ça, non? Tu viens flirter. Souvent, tu vois un homme, il est avec sa femme ou la femme est dans la voiture. Il entre dans une boutique, il flirte avec la jeune fille qui vend. Tu es dépassé. Jesus. Quand il voit ça, il ne peut pas faire affaire avec toi. Je ne peux pas dealer avec toi. À moins que moi-même, je souhaite que dans mon cœur, moi-même aussi, j'ai un caractère sale. Parce qu'il n'y a que les gens pareils qui s'attirent. Et sa femme qui est dans la voiture connaît. Évidemment qu'elle se voit l'esprit. Elle se voit les yeux. Et on a trop ça ici au Cameroun. Tu as choisi que voilà ta voix, que telle personne sort de ma vie. Mais ça va te coûter émotionnellement n'importe comment. Je ne retournerai pas là-bas. Je ne retournerai pas. Voilà la voie que j'ai choisie. Quand on était ensemble, le foyer était en sens dessus-dessous. Parce qu'on devait venir, on allait voir la photo, on l'a accroché à haut, il y a la tête de deux personnes collées. Voilà tout pour vous. Hein. Quand les gens viennent chez moi, ils voient notre photo, on a collé la tête comme ça là. Voilà, c'est barat. Vous serez vraiment très choqué de savoir ce que les gens apprécient souvent dans le mariage. Oui, on va venir me voir avec la robe blanche là-bas sur le mur. On ne sait pas qu'il y a des fondations, il y a des bases. Tu es là, il n'y a pas ça là-bas, tu sais. Tu forces toujours. On ne sait jamais. Il peut changer.
Combien d'entre vous, vous me parlez sur vos téléphones? Il a construit sa maison au village. Il a acheté les terrains à son nom. Alors que la période là, c'est moi qui travaillais. On travaillait, on s'était entendu qu'on construit pour lui, après on construit pour moi. On a fini pour lui, après il est parti. Ma chérie, tu ne voyais pas ça depuis. Quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, j'étais choquée par le désespoir des femmes sur le. Oh, je veux me marier. Je veux me marier. Il t'a rencontré, il t'a vu une femme. Ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Il n'a pas quitté la femme, il ne t'a pas épousé. Tu es encore là. Tu y fais quoi? Ah, les gens ont souvent des situations que. Donc tu n'as pas posé des visions pour ta vie. Tu n'as pas posé un truc que tu veux pour ta vie toi-même. Ah. Elle vient te voir pour que tu travailles sur le gars pour qu'il vienne vers elle. J'ai dit que lui-même, il ne veut pas, ma chérie, laisse. Arrêtez de donner le bénéfice du doute aux gens. Quand quelqu'un veut faire quelque chose, il fait. Quand quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, il ne fait pas. La reine Christelle, on ne change pas l'être humain. Même tes enfants, tu ne peux pas les changer. Tu peux que leur enseigner. Tu les fautes quand il faut fauter. Ils prétendent comme ils peuvent dans ta maison. Et tant que le jour où ils grandissent, ils sont grands, ils partent. S'ils veulent faire, ils font ce qu'ils veulent dehors. Mais toi, tu sais que pour ta part, tu as dit que chez moi, on ne fait pas ça. Il y a des gens parfois qui vous ont déçu une fois. Ça vous a pris du temps, vous avez avalé, vous avez pardonné. Et vous êtes encore en train de vouloir leur faire confiance. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Parce que quand vous les avez laissés, ils sont retournés dans la galère, dans la crise éternelle. Ils ont tourné. Le cœur là n'a pas changé. Quand on parlait des pauvres l'autre jour, c'est un truc que j'ai compris dans l'analogie des pauvres qui m'a beaucoup marqué. C'est le fait que tu nourris le pauvre chaque jour. Et si un jour tu laisses ta main un peu longtemps dans leur enclos, il va manger ta main. Vous avez dit le jour là que ne soyez plus choqué que ouais, après tout ce que j'ai fait pour elle, ouais, après tout ce que. Oublie. Ah ouais, tu es venu pour le lavage l'autre jour. Ça t'a soulagé du mal de ventre. Ah, c'est super. Il y a une dame là-bas que ça a fait vomir jusqu'à. Elle avait des trucs dans son ventre, c'est sorti. Elle a vomi. Les glaires bizarres là. Parfois vous restez aux arbres, vous ne comprenez pas que tu. Il y a des choses dans votre ventre. Tu ressens des choses dans ton corps. Parfois tu as subi des abus dans ton enfance. Il y a les esprits qu'on a mis en toi dans ton enfance. Et ces esprits-là te manipulent, ils manipulent ton corps. C'est pour ça que tu restes, tu prends une décision, après tu changes ta vie. Très indécisif, tu fonceras. Indécis, pardon.
tu transas, tu veux, tu ne veux pas, tu veux, tu ne veux pas. Une manipulation spirituelle sur toi. Tu fais tes lavages, tu fais ceci, tu prends le... C'était le remède du poison de nuit qu'on t'avait donné. Le produit que tu as léché là. Vous devez continuer à vous lever pour vos choses. Tu avances avec tes choses calmement. Tu avances avec ta vie. Tes principes là, ça va payer. Écoutez, tes principes là. La Bible dit que je n'ai jamais vu le juste. I have never seen the righteous forsaken. Forsaken, je ne sais pas comment ça on dit ça en français. Mais je n'ai jamais vu le juste qui a échoué. Quelque chose comme ça là. Ou bien rejeté. La justice, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça prend du temps. Et parfois même tu n'as pas vu les gens dans ton environnement qui avaient la justice en eux. Mais quand tu restes un jour, Dieu t'appelle à être juste. Tu acceptes. Maintenant, quand tu acceptes, c'est un cheminement pour que tu arrêtes de compter sur les dragueurs, tu arrêtes de compter sur les oncles, tu arrêtes de compter sur telle chose ou telle personne et que tu laisses maintenant Dieu ouvrir ton chemin pour toi. Parce qu'avant, tu avais confiance en Dieu, mais tu disais, j'ai confiance en Dieu, mais après, tu te lèves encore, tu peux essayer de le faire toi-même. Oui, j'ai confiance en Dieu, Dieu va me sauver, Dieu va m'aider. Mais après, tu pars encore, tu veux résoudre ta situation toi-même. Oui. Donc, il y avait ce truc-là en toi qui ne faisait pas totalement confiance en Dieu. Donc, Dieu va prendre son temps, il va te libérer de tout ça. Il va enlever ça de ton cœur. Et l'échec n'est pas mauvais. L'échec, c'est le meilleur enseignant. L'échec. En fait, quand j'échoue à quelque chose, ça me dérange pas. J'ai tellement échoué dans ma vie que pour moi, l'échec, c'est juste comme... C'est comme si je disais bonjour à quelqu'un. Je dis bonjour, je passe, bonjour, j'avance. Dans tous les domaines de ma vie, hein, tout ce que je fais. Si j'échoue quelque part, je me relève. Demain, tu vois, je suis en train de le faire. J'échoue, tu vois, demain, je suis en train de le faire. Même côté relation. Parce que tes trois dernières relations échouées que tu vas arrêter. Maintenant, tu dois d'abord retravailler sur toi. Tu te recadres. J'ai dit encore, on n'entre pas dans une relation seulement parce que quand il te regarde, ton corps fait que hihi. Non. Qu'est-ce que vous voulez construire ensemble? Si la personne ne connaît pas, laisse. Parce que toi-même, déjà seul, tu dois savoir aussi ce que tu veux construire. Mon cœur est paisible. Hein. Il y a certaines personnes que vous n'êtes plus au même niveau de réflexion. Je me rappelle en début d'année, il y a un de ces débuts d'année, j'ai dit, mais j'étais avec quelqu'un, en relation avec quelqu'un. Et c'est déjà une personne que si tu lui dis, assois-toi pour faire tes projets de vie, qu'est-ce que tu veux? On s'est dit que c'est dans ma tête, oh, ne me dérange pas, c'est dans ma tête. Ok, c'est dans ma tête.
Justine, tu es dans les beignets bouillis. Oh, yeah. Toi, la nourriture. En tout cas, moi, je vous avais dit que j'aime manger, j'aime dormir. Voilà les choses que j'aime faire dans ma vie. Donc, la personne t'a dit, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête, ne m'embête pas. J'ai dit, ok. Je me suis assise. Ça devait être un 28 décembre comme ça là. Il dit, ok, depuis que tu demandes tes projets, tu ne dis pas non. Je lui étale mes projets. Il dit que l'année, c'est qui vient. C'est que n'aime pas encore commencer. Voilà. Je vais construire ça. Je vais faire ça. Je vais lancer ça. Je vais faire ça. J'ai parlé même pendant 3 minutes. Il m'écoute. Après, il me dit que je suis déçue. Il dit, hein? Il dit, oui. Tu fais tes projets. Je ne vois même pas un endroit là où je suis. Quand quelqu'un demande qu'il s'habille tout, j'ai pris du temps pour apprendre les principes de la vie. J'ai pris du temps pour apprendre qu'il faut visualiser, il faut écrire, il faut déclarer, il faut travailler. Parce que certaines personnes n'ont pas l'éthique de travail. Et quand tu travailles, ton premier argent, tu ne le manges pas, tu l'investis. Ton deuxième argent, tu ne le manges pas, tu l'investis. C'est à la cinquième génération que tu vas commencer à penser à manger l'argent. Tu prends, tu investis. Supposons que tu économises 100 000 par mois. Au bout de 6 mois, tu as 600 000. Tu ne peux pas manger tes 600 000. Tu vas prendre, tu vas investir dans quelque chose. Continue de travailler les 100 000 par mois et investir les 600 000. Si les 600 000 peuvent même te donner par mois même 150 000, la personne qui gère ça, tu donnes 50 000, tu prends 100 000. Ça fait que maintenant, après 6 mois, non, après 8 mois, ça prend 2 mois pour décoller. Après 8 mois, tu te retrouves avec 200 000 le mois. Les 200 000, tu ne les manges pas. Tu les réinvestis. Ça, ce sont les enfants de ton argent. Tu fais encore 6 mois ou 8 mois. Tu prends les 200 000 là. Pendant que tu prends les 8 mois en économisant 200 000 par mois, ça fait... pendant 6 mois. Ça fait 1,2 million. Les 1,2 million, tu ne les manges pas. Ça te donne maintenant la capacité de mettre un business sur pied qui vaut le double de l'ancien business. Tu pars donc établir l'enfant de ton business. Non, l'enfant de ton business d'abord. Donc quand tu investis celui de 1 200 000, supposons que ça te donne encore par mois 150 000 ou 200 000, supposons. Tu donnes 75 000 ou 100 000 à celui qui gère. Toi, tu prends 100 000. Ça veut dire qu'à partir de 1 an et demi, tu te retrouves avec 300 000 francs le mois. Ton travail qui te donne 100 000, le premier business qui te donne 100 000, le deuxième business qui te donne 120 à 130 000. Tu mets encore sur une période. Écoutez, le temps, hein, le temps. Le temps. Tu prends encore. Ça, c'est le meilleur des cas. Parce qu'entre temps, quelqu'un peut venir, un décepticon peut venir. Oh bébé, je t'aime. Bébé, tu prends tes 1 million là, tu portes, tu le donnes. Ça te ralentit encore. Je suis, toi, tu es une folle. Tu ne sais pas. Toi là, tu es une folle particulièrement. Toi, I'm telling you, you crazy. Oh my God. Toi, tu es déjà la personne que quand tu fais tes choses, si quelqu'un à côté de toi veut te juger, il va seulement devenir fou. Donc, tu vas voir qu'au bout de 2 ans, tu peux te retrouver avec 400 000 francs le mois. Supposons que quand arrive dans ta vie, il dit, waouh, elle a 500 000 le mois. Waouh,
Ça veut dire qu'elle a l'argent. Il ne sait pas que les 500 000 que tu manges chaque mois, pas que tu manges, que tu obtiens chaque mois, c'est un argent que ça fait 5 ans que tu as commencé à mettre sur pied. Et si tu pars comme ça, là, tu continues de monter. C'est l'effet cumulé. À un certain niveau, hein, l'argent va te dépasser parce que le business que tu prends 15 millions pour établir, ça ne va pas te donner seulement 1 million de mois. Le business que tu prends 30 millions pour établir, ça ne va pas seulement te donner 2 millions de mois. Là, tu vas voir un moment que le vrai argent va commencer à entrer. Parce que tu t'es discipliné, tu as été persistant, tu n'as pas mangé ton argent des autres. Ah. Moi, c'est là. Hein. Parfois, je regarde la sagesse que j'ai en moi. Là. Je te laisse. J'ai le sac de sagesse en moi. Et je cherche encore plus. J'aime apprendre. Souvent, je vois un petit rienton là qui vient. Il va te montrer qu'il veut que tu fasses comme ça. Là. J'ai ton business comme ça. Il dit que papa, tu n'as même pas 100 000 francs le mois. Tu viens toujours montrer comment je vais gérer mon business. Oh là là, que vous êtes bêtes. Tout ce que tu vas vouloir faire, c'est détourner l'argent dedans, c'est tout. Tu ne connais pas comment on plante l'argent, ça donne. Tu ne connais pas comment on sème, ça grandit. Tu prends les fruits là, tu prends encore, tu sèmes ailleurs. Après, tu prends les fruits de ceux-là, tu prends encore, tu sèmes ailleurs. Après, on se retrouve que tu as 10 hectares de plantation. Laissez. Personne veut jouer sur ton mental. Personne veut jouer sur ton mental. Non, tu n'es pas soumise. Tu n'es pas. Pardon, l'espèce de bêtises là. Leave it alone. Je connais là où je pars. Quand tu arrives à un certain niveau où ton premier enfant, tu as accouché dans la galère, il y a des jours tu n'as même pas l'argent d'accouche. Le deuxième enfant en accouchant, ou le troisième, gars, tu ne demandes plus la maison de quelqu'un, tu ne vis plus chez ta mère, tu n'es plus chez ta belle-mère qui te menaçait, tu n'es plus au talon du gars pour tout le temps, pour dire ouais, donne là, il faut l'argent de lait. Il faut l'argent du biberon. Il faut ceci. La liberté mentale que ça donne. Tu restes juste occupé de tes enfants sans demander ni à l'État, ni à un homme, ni à une femme. Parce que tu as appris tes leçons. La vie t'a appris. Tu t'es assis, tu as étudié que oui. Et tu as passé le test, tu as validé le test. La vie va vous enseigner, hein. Dali, bonjour, bonjour Carlotta. La vie t'enseignera. Life go show you. J'arrive à un niveau où je comprends les célébrités maintenant. Hein. Tu vois une célébrité à couche. 3 mois plus tard, tu ne sais même pas qu'elle a accouché. Elle a repris le boulot, son ventre a diminué, ceci. Oui, ce n'est plus l'enfant de la galère qu'elle a accouché. C'est avant qu'elle souffrait. C'est aussi pour ça que beaucoup de célébrités, parfois vous les voyez, elles ne prennent pas n'importe quoi. Et donc, take bullshit, man. Tu viens un peu, tu veux faire ni. Elle te dit que papa, pardon. Je ne m'en dis pas. Je gagne mon argent. Comme la reine Coco Emilia. Quand elle a eu sa situation avec le père de son enfant. C'était facile pour elle de dire que gars, mon frère, tu n'es pas mon air, tu n'es pas mon oxygène. Même si leur relation s'est restaurée après dans le sens où c'est devenu un peu plus sain. Mais elle ne prend pas n'importe quoi, elle ne prend pas n'importe quelle merde.
L'indépendance financière et mentale est importante. Parce que là dehors, les gens marchent, ils cherchent les gens qui vont dominer. Ils cherchent les gens qui vont devenir leurs esclaves. Il y a les pasteurs d'église, les hommes même qui cherchent les femmes qui vont dominer. Il y a les mères qui cherchent les jeunes filles qui vont dominer. Il y a les pères qui cherchent les jeunes garçons qui vont dominer. Oh là là. Eh oui, c'est ça. Donc c'est dimanche, il faut qu'on sorte se balader. Donc passez une bonne journée. Bonjour Noli. Il y a plein d'oiseaux là-bas. Dans... Il y a une concession en face là. Il y a des oiseaux là-bas. Noli, bonjour. Merci. Bonjour. Passez une très bonne journée.